Ce week-end avait lieu le salon Black Beauty au World Trade Center de Jarry, une 19e édition qui présente les mêmes succès que les précédentes, si ce n'est plus. Ah bah écoutez, je suis super satisfaite. Bon, j'ai mes belles que vous allez filmer là, qui ont été là. Et c'est vrai que les gens adhèrent, les gens aiment. J'ai sur les réseaux sociaux plein de choses gentilles sur le salon. Et c'est vrai que les gens aiment le salon Black Beauty. L'impact du salon a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les gens, quand ils ont un nouveau produit, ils le lancent au moment du salon de la beauté. Et ça, on voit que l'impact, et l'impact aussi du salon, je pense que c'est le monde qui adhère. Et c'est vrai que c'est le salon de toutes les femmes. C'est-à-dire que c'est un salon qui n'est pas réservé qu'à un style de femme, c'est réservé à toutes les femmes. Donc il peut y avoir la petite pin-up qui vient, qui s'achète un maillot de bain et un petit maquillage glossy. La femme qui veut retrouver un maquillage, une coiffure et des vêtements un peu plus chic pour aller travailler ou pour un entretien d'embauche. Donc en fin de compte, l'idée du salon, c'est le salon de toutes les femmes. Des stands dédiés à la coiffure, au maquillage, à la beauté des ongles. Tous les ateliers étaient présents pour ces dames qui pouvaient s'inspirer de Miss Guadeloupe 2016. Tout simplement, c'est un beau moment à passer. Il y a beaucoup de produits qui sont proposés. On peut trouver des produits pour les cheveux, du maquillage, de quoi s'habiller, de quoi se chausser, des soins. On parle d'épilation aussi, de gommage, de soins du corps. Vraiment, il y a de tout. Et on en apprend des choses. Moi-même, j'ai appris des choses sur le salon. Donc, venez découvrir de nouvelles techniques. C'est vraiment intéressant. Le salon a fait le bonheur du public féminin, mais n'exclut certainement pas les hommes. Les hommes aussi ont des produits, certes on n'est pas sur le maquillage, on n'est plus sur le paraître. Donc il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire jongler avec le sport, les études, le travail. Et aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire il y a des produits pour l'homme, des produits capillaires, des produits pour la barbe, etc. Un public satisfait pour ces 3 jours et une affluence qui ne faiblit pas. Ils y retrouvaient de quoi faire leurs achats avec des prix réduits exclusivement pour l'événement et des gammes de produits pour satisfaire les plus coquettes.